Re les potes, donc on est reparti pour cet épisode. Oups, je suis tombé, c'est pas grave. Le tour. Y a de la merde partout en fait. Où que j'aille. On a de la compagnie. Ils sont là. Ça me défonce, ça me défonce. Bonheur. Ce serait dommage de gâcher ça. Ouais, c'est ça. Les comiques, ils peuvent revenir. J'espère que c'était le seul. Ok, donc là il n'y a rien d'intéressant. Oui, j'aime pas quand je vois des cages comme ça. Et je sais qu'il y a des gens. Parfait, merci. Je crois que c'est ça, non? Là, c'est à ma gauche. Ouais, c'est là-bas. Faut que je traverse. Bon, bah, let's go, hein. C'était la traversée de la mort. On y est presque. Oh putain. Ça faisait longtemps, poteau. J'aurais juste des balles parce que je suis vraiment à court, désolé. Vous avez pas autre chose comme balles, les potes? Pardon. Tout le monde est là, général. Le voilà. Impressionnant, hein? Son vrai nom est Fort Indépendance. Mais les miliciens l'ont toujours appelé le château. Maintenant, vous comprenez pourquoi je voulais le reprendre. Ça a besoin de réparation. Peut-être. Mais quelques réparations ne lui feraient pas de mal. Je reconnais qu'il a connu des jours meilleurs. Mais les miliciens n'ont jamais eu peur du travail. Notre premier objectif est de nettoyer la cour. C'est là qu'on rencontrera le plus d'opposition. Le mur de ce côté est le plus exposé. Mais si on l'aborde par le sud,
On pourra aussi atteindre l'entrée principale. Qu'est-ce qu'on attend? On fonce dans le tas et on liquide ces saloperies, c'est pas compliqué. Non, si on se sépare, on pourra les attaquer des deux côtés. Ils seront complètement cernés. Et si on les laissait venir à nous? On établit une ligne de tir de ce côté, et vous, vous les attirez. Alors, général, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attaquer en tenaille, vous entend... On les attaque en tenaille. On va les attaquer par les côtés. Ok, on va se séparer. Vous pourrez rejoindre le groupe qui vous semblera avoir le plus besoin de soutien. Bon, tout le monde a entendu le général? Allons-y, essayez de ne pas attirer leur attention avant qu'on soit en position. Ok bro. T'as pas une arme pour moi par contre? Je la dèche. Franchement... Là j'ai des munitions bah, infinies mais ça sert à rien, c'est deux armes de merde. Là j'ai rien... J'ai 38 balles pour dans ça. Pff, chier, bon allez go, tant pis. Hein. Je vais avec toi moi, t'es où chapeau? Il est où? Moi je vais avec lui. C'est mon bro. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? On change de plan? Par contre, t'es au courant que tu marches dans la boue, là? Ça fait longtemps que les miliciens ont perdu ce bâtiment. Les années n'ont pas été tendres avec lui. Bah viens. Salut. Qu'est-ce qui se passe? On change de plan? Eh viens. Non? Non, on respecte le plan. D'accord. Allez-y quand vous voulez et on se mettra en position. Bah, j'y vais tout seul, tant pis. Hein. Viens avec moi, tant pis, voilà. Il ruine le truc. Qui? Je le défends en jeu. C'était... Je suis salement touché. En charge. C'est que des fangues les ennemis. Non, elle est tombée. Oh putain, je suis encerclé. Aide-moi toi, il te restait planqué.
Ah, là devant toi, tu vois pas? Bah, moi, tu vois, je suis dans le mal. J'ai vu le Steam Pack, je crois. Si. Non. Allez, finissons-en. C'est pas vrai. Faites gaffe. Putain, arme de merde. T'as pas eu peur. Je peux pas t'aider, t'es dans le sol. Il en reste deux. Au-dessus. Et le dernier. Bingo. Les armes balistiques infligent 5% de dégâts critiques élémentaires, bonus permanent. Hey. Il faut qu'on se concentre sur la reprise du château. J'ai oublié de ces trucs. C'est trop dur les mecs. C'est trop dur. Rien à signaler par ici. Bah viens Viper, on va faire tout le tour. Du coup on va chercher des gens. Enfin des gens, des fringues.
Donc c'est de l'autre côté, c'est de, dans l'autre aile du château, je pense. Quoi ça? Toi. Salut. C'est un bon début. La reine défanguée. Quel gâchis. Elle est où? J'aimerais pas être à ta place. C'est un poison qu'elle m'a envoyé. Casse-couille là. Merde. C'est bizarre de voir des boss dans Fallout un peu, des gros boss quoi. Eh mais je suis bête. On va pouvoir tester. Merde, je l'ai pas le Fat Man. C'est Piper qui l'a. Putain, lâchez-moi. Ah non, je m'envoie, tu me touches de là. T'es pas un peu mytho, toi? J'ai fait 0 dégâts en fait.
Bien, bâtarde. Bien, grenade fatale. Boum. Merde. J'ai failli mourir là, j'ai failli pas regarder. Putain, j'aurais à mourir. Voilà, sale putain. Salut. Pour le moment, commençons par réparer la radio. D'accord. Ouais. Faisons casser les yeux. Travaille tout le monde. On n'a pas encore fini. Le général et moi, on va aller jeter un œil à la radio pour voir dans quel état elle est. Les autres, éliminez tous les œufs et tous les fangeux que vous verrez. Plus qu'à l'allumer, et on pourra émettre. Allons voir ce qu'il reste du vieil émetteur. Marche pas. Merci. Plus qu'à l'allumer, et on pourra émettre. Bon, ça pourrait être pire. Voyez ce que vous pouvez en tirer. Par quoi, là ? On va voir ce qu'il reste d'autre dans le coin. Ok. Générateur... Comment je fais? Il faut trouver comment alimenter l'émetteur. Plus qu'à l'allumer, et on pourra émettre. Bah là, j'ai allumé... déjà ici. Mais je peux pas mettre de... Ah, attends. Ça marche. Voilà. Et où, Paul? J'allume. Ça a l'air de fonctionner. Merde, on a vraiment réussi. Moi qui vois les miliciens tomber en ruine depuis si longtemps, c'est... ça fait vraiment quelque chose. Maintenant, il faut continuer ce qu'on a commencé. Remettre tout le Commonwealth d'aplomb, et que ça dure cette fois-ci. Les affaires reprennent, et maintenant que Radio Liberté est de nouveau sur les ondes, on pourra vous envoyer des alertes où que vous soyez. Ce qui me rappelle que j'ai un autre endroit où vous envoyer. J'ai une mission un peu différente à vous proposer. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Mais personne ne voudra s'installer là-bas tant que l'endroit sera infesté d'insectes. Encore des insectes, putain. Posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth, petit à petit. Ok.
Du coup, on a une nouvelle zone. C'est quoi nettoyer les... ça alors? On va virer cette merde là. C'est moche. Ok, donc du coup, on a une nouvelle zone que je devrais encore équiper. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu les amis. Donc c'était Kent, et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!